parcours a été extrêmement indexé au fait que j'étais fils de prof, que je suis né dans la classe moyenne, que je viens de Vendée, que j'ai fait partie d'une sorte d'élite républicaine scolaire. Bien sûr que nous sommes dépendants d'un certain nombre de conditionnements extérieurs. En revanche, le conditionnement qu'on appelle le monde ou l'époque, ça, j'y crois pas. Et moi, quand j'ai 6 ans, non seulement je ne sais pas que les crises pétrolières viennent de ce qu'est le monde, mais je n'en vois aucune marque dans mon champ réel de vie, mon champ quotidien. Alors, deuxième phrase, je n'habite pas le monde, j'habite une maison. Ça, c'est pareil, c'est une phrase élémentaire, c'est pas grand-chose. Hein. Ben ouais, mais c'est beaucoup, pour moi c'est beaucoup. C'est quand même de dire, c'est quoi finalement l'espace réel de vie d'un enfant? Ben, c'est une maison, une école, 3 rues, un parc où il joue, 2-3 maisons de ses copains. C'est ça. Je pourrais même dire, j'habite même pas en Vendée, moi, quand je suis petit. J'habite Saint-Michel-en-l'Air, mais j'habite même pas Saint-Michel-en-l'Air. J'habite 4 espaces, quoi. Et c'est dans ces espaces que se constitue mon imaginaire. Ça, c'est important pour savoir comment ça se passe vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'être un enfant, quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, d'ailleurs, parce que c'est pareil. Voilà, donc, si vous voulez, c'est pareil, c'est commencé, on peut dire, on pourrait dire que ce livre commence de façon très plate et factuelle, mais en même temps, bon, moi, c'est pas pour rien non plus que je commence comme ça pour déterminer quand même une forme de méthode qui va être la mienne pour essayer de m'auto-analyser, où je vais, il y a un autre moment où je parle du 11 septembre, par exemple, bon, parce que le livre monte 40 ans, hein, puisque c'est une autobiographie pour le coup très, au sens presque, comment dire, canonique du terme. Moi ça m'intéresse beaucoup parce que le 11 septembre est censément c'est l'événement de ma génération, quoi. C'est notre événement, quoi. C'est enfin il est arrivé, quoi. Nous étions une génération perdue, nous étions une génération sans histoire, nous n'avions pas connu la guerre, n'avions pas connu la guerre d'Algérie, les idéologies blablabla étaient derrière nous, les révolutions blablabla étaient derrière nous, gna 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 gna. Et enfin nous arrivaient à nous les trentenaires post-moderne et post-historique, enfin on avait notre événement, quoi. Celui qui allait vraiment nous structurer, nous constituer, nous traumatiser, dont on allait écrire des livres. Voilà, le 11 septembre, c'est la date, c'est formidable, il y a eu un avant et un après. Et je le dis d'ailleurs dans le livre, c'est un des rares événements qui se reconnaît par une estampille de date, ce qui est très rare, hein. Il y en a très très peu. On identifie cet événement par sa date. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vous pouvez réfléchir. Il y en a un autre qui arrive un an après, dont je parle aussi, qui s'appelle le 21 avril 2002, hein, qui est donc estampillé par sa date. Ça a été une année super heureuse, d'ailleurs, de ce point de vue-là.